La vidéo, elle devrait être rapportée. Moi, je pense, elle devrait être Toi, tu rapportée. sais, toi, ton AdSense, là. Inox Tag, qui a enfin réalisé l'exploit de gravir l'Everest avec toute son équipe, va prendre un paquet d'argent grâce à son documentaire dédié à sa folle ascension. Mais alors combien? Lorsque le YouTuber a annoncé son défi de grimper le plus au sommet du monde, il faut savoir qu'il a été approché par de nombreuses plateformes qui étaient prêtes à lui offrir plus de 100 000 euros pour avoir les droits sur son futur documentaire. Une chose qu'il n'a pas hésité à refuser pour pouvoir le proposer gratuitement à ses abonnés et ainsi les remercier de tout le soutien qu'il avait pu recevoir pour ce projet totalement fou. Mec, en vrai, les plateformes, elles voulaient, hein. Ah ouais? Bah ouais. En vrai, oui. Et genre, t'as fait l'homme du peuple, t'as voulu laisser ça sur YouTube. Vas-y, arrête. Vas-y, vas-y. Mec, je te jure que mec, j'aurais pu le vendre à une plateforme. Ah ouais? Mais genre, c'est plus de 6 chiffres. Bah oui, frère, Ah, plus tu de vends 6 un chiffres. documentaire. Oui, Oui, tu logique, vends un logique, logique, documentaire. logique, 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 Mais logique. frère, je me suis dit, ah frère, on vient de YouTube. Il faut mettre sur YouTube. Je me suis dit, il faut que ça aille sur YouTube, les frères. Et du coup, bah, au moins, ce sera gratuit, quoi. S'il affirme avoir refusé plus de 6 chiffres pour son documentaire, qui devrait voir le jour en septembre 2024, Inoxtag devrait tout de même prendre un très joli pactole. Voici ce qu'il a dit à ce sujet. La vidéo, elle devrait être rapportée. Moi, je pense, elle devrait être Toi, tu rapportée. sais, toi, ton AdSense, là. C'est Oh, combien 1 million de vues? mais moi, je suis honnête, hein, 1 million de vues. Dans ta, en perso ou dans ta société? La société. La société. Mais après, la société, c'est devenu le perso. Ah, non, mais faut être honnête. 1 million de vues, les gars. Bah, après, pas que moi, hein, tous les youtubeurs, hein, genre, même un Squeezie ou quoi, je pensais ça. Mais je pense 1 million de vues, les gars, ça rapporte. Est-ce que ça rapporte pas 2000 balles? 1005, 2000? Ouais, en vrai, je pense. Moi, ça rapporte plus maintenant. Ah, même moi. Même moi. Pas le N2. Ah, même moi. Non, en vrai, non. Moi, c'est pareil. C'est entre 2 et 10. Ça peut changer, en fait. Ça dépend le style de vidéo et les annonceurs, ils Ah, il changent. a raison! Ah, C'est bon. la moyenne, c'est quoi? Tu Non, trouves la combien? moyenne, en vrai, 7, je pense. 6-7. Par million? Si, ça dépend, en fait. Ça dépend les Mais vidéos. tu te souviens à l'époque quand Mec, à l'époque, moi, les youtubeurs ils c'était. disaient on prend 800 euros le million de Mais c'est vrai, vues? moi, c'était Ah ça. ouais? Ouais, moi, c'était ça. Mais Alors que le documentaire devrait être visionné par plus de 15 millions d'internautes sur YouTube, Inoxtag devrait donc gagner plus de 105 000 euros, sans compter l'argent que lui rapporterait la publicité de la plateforme en ligne. ouais, ce sera gratuit, ce sera gratuit. mais. Bah, par contre, les gars, ça, je vais mettre 10 000 pubs. Hein. Préparez YouTube Premium. Préparez YouTube Attends, Premium. t'as prévu déjà un temps de vidéo dans ta Ouais, en tête? vrai, je pense quand même que ça sera entre 2 et 3 heures quand même. Parce que mec, c'est toute une année. Ok.